Alors non, vu qu'il y a... Non, prends une 117. Le stateur s'est produit. C'est donc je récupère. Ah oui, tu te laisses, tu mets dans la caisse et tu prends le sac à dos. Personne. Attends. Bah, si, ne te mange pas ce soir. Oui. Que okay. Ça m'a calculé, c'est quoi? Qui est? Tu seras puni de grenade. Là, tu l'auras violé des mois alors que deux jours à trois personnes. Bonjour, camarade. Tu fais l'accent russe? Ah, ok. Bon. Regroupez-vous par équipe, après on verra. Je t'entends très très peu. Est-ce que tu m'entends? Augmente mon volume. Moi je t'entends bien. Augmente un peu mon volume. La voix est à moi, était tout à fait en bas. J'ai déjà monté. Non, mais sur TS, augmente mon volume sur TS. Ah. Volume plus plus, ok. C'est bon, essaye là quoi. Vas-y, là c'est bon, tu m'entends mieux. Je te rajoute encore 2 dB. Okay. Je continue à te parler jusqu'à ce que tu me dises que voilà, c'est bon. Okay. Ouais, 8 dB là, c'est pas mal. Ok. Allo, Et toi, tu m'entends nickel aussi? Ouais, je t'entends très bien. Je vais dérégler toutes mes radios, moi, histoire de pas entendre tout le monde. Ah ouais, merde, j'étais pas là peut-être pendant les canaux. Ah non, il a pas eu le temps de les donner, il a lancé la mission. Ah d'accord. Ah, il est là, FK, il a donné. Donc on va être sur la 148, ce qui paraît logique. Ouais. Pour le serveur, lui, il a tous ses nuages. Mais... Ouais. T'as fait le tour des véhicules, ça va la pression des pneus au niveau d'huile. Tout à fait, c'est ce que je faisais justement. Un petit coup de chiffon sur les rétroviseurs. La prochaine version, ça sera. Là-bas, vous avez quoi? Un AT. Ok. Je regardais pas, t'as raté ta blague. Pour installer deux. Okay. C'est dingue que je t'entende si peu quoi. Mais c'est normal, c'est mes réglages à moi qui sont un peu merdiques. D'accord. J'ai mis 12 dB quand même. Hein. Je vais juste regarder la tourelle vite fait. Ah, Daniel, chef. Ok, blindé. Si vous avez besoin d'un channel 343, vous êtes channel 3. Et si. Et pour le la communication avec le commandement, c'est sur la 148. Pas mal. Ce que vous pouvez faire, c'est si vous voulez, c'est un de vous va prendre dans la caisse qui est là-bas un sac avec une 117. Ça vous permettra d'entendre les coms que j'ai avec l'hélico. Si vous voulez, c'est optionnel. Ça peut être utile. Même si vous la mettez en sourdine ou juste à l'occasion que vous en avez besoin. Bah moi j'avais la 148 en sourdine sur le canal 1, mais je peux la mettre sur le canal 2. Ouais, voilà aussi, tu peux faire ça. Parce que c'est sur le canal 2 du coup. Je vais le mettre sur le canal 2 et si on a une com urgente avec eux, je la ferai. Ok, parfait. T'as une 117 toi? J'ai une 148. Non, mais tiens, il va recevoir. Il pourra peut-être pas m'émettre si je suis trop loin, mais il recevra. Je pourrais pas t'émettre. On va pas émettre. De toute façon, je vais me cracher lamentablement dans un coin. Ça voudrait dire que je devrais prendre une 117, c'est ça? Non, bah. Alors, bah, si comme urgente, à mon avis, c'est que je suis pas loin. Hein. On sait que t'es en train de nous tirer dessus. C'est nous! Vous allez chercher le sac à dos avec la 117 ou pas? Allez, je vais avoir la meilleure place! La guerre! On va se mettre au chaud! Allez, ok. On grimpe là. Faites un check radio pour moi. Un sale caillou avec radio, blindé. Et vous pouvez embarquer dans votre blindé. Alors, loin de moi, il vient de me plaindre, mais un GPS, ce serait pas du luxe. Ouais, ça, c'est pas étonnant ici. Ouais, suivez-vous les pieds avant de rentrer. Ah, ça fait. On est sûr, pas là. On est bien au chaud dedans. Comment ça va transpirer? Ouais, on est tout chaud, tout mouillé. J'ai l'impression d'être au milieu du. T'aimes pas être au milieu? Ça passe pas ici là. Ah, j'aime pas du tout ça. Et 96 GMG 49. On est dans un blindé britannique, il y aura au moins un truc pour faire de UT. À coup, tu veux qu'on fasse les ménages? Non. C'est moi qui fais le ménage. Et mon blindé, c'est moi qui fais tout. Et qui a pris le skin chinois? Et Goya. Ah, Goya. Okay. Ah, Goya, c'est son skin à lui. On a deux avec des casques noirs. Velrit, c'est le chef. Toi, ton boulot, Velrit, c'est pas de déconnecter. D'accord.
Je vais tenir le câble ADSL. Ok, bon, le smoke screen, il faudra. On va faire ça en commande. Non, mais on a des câbles qui nous rentrent dans la tête, c'est affreux. Sauf si tu peux switcher vite fait, fuck. Ball. Comme des androïdes. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai que ces casques sont assez horribles, hein. Même l'uniforme. Enfin, sur la radio. Ouais, c'est, tout, hein, c'est le complet. C'est toi sur la radio. Avec non, le petit gant, les non, gants techniques. Non, mais complètement. Attends, d'accord. Truc totalement étant. Dans les bibliothèques, on a des gants biotroniques. C'est limite une tenue NBC, ouais, quoi. Le protège-coup aussi, pas mal pour éviter les coups du lapin. Oui. Ah oui. Là, je te parle direct, je suis en commandeur dans le truc. On peut aller sur Kilo, donc direction ouest. Ah, mais là, on voit vers l'extérieur, c'est bien, ouais, c'est bien fait. Ouais. Ouais, ouais, j'ai mis 260. Parce que RHS, c'est un peu de la merde quand t'es en dessous. J'espère qu'on va pas faire des loopings comme dans le char. Ok, je passe direct en thermique. Ah, le gilet tactique, ils ont la classe par contre. A tous, ah bon, moi, on est parti en direction de Kilo. C'est de manœuvrer dans les bois. C'est vrai que les gilets sont sympas, ouais. Ah, et on est parti. Kilo. Y'a que ça sympa sur l'uniforme. Aucune signature thermique pour le moment, c'est clair. Ça donne presque froid d'avoir une météo comme ça. Non. Ok. C'est un véhicule. On va nous mettre futur. Un petit pull, Froggy. Ah, oh, mais t'as bien tout faire, dis donc. C'est un terrain omniscient en fait par rapport à notre position, je pense. Dis donc, alors. Un petit point carte de je suis une barbe. Dis donc. Des rides. T'as plus de rides aussi, ouais. Des rides, ouais. Un vieil d'un coup, hein. Moi j'ai un GPS, mais je peux pas l'afficher en commandeur là. Ah, c'est le futur. Bon, j'ai toujours pas réglé mon problème de son. Je vais voir en passager si je peux voir. Ah, toujours pas. Turnout. Bah non. Turnout, commandant, tu peux peut-être pas plus fort, mais pas de beaucoup, vraiment. Mais t'as tout mis à fond, sur tu m'entends le football là? Ouais, je t'entends. Non, pas à fond, parce que ouais, sinon je suis à l'arrière, j'ai le GPS, donc je te guide. T'as Windows t'as aussi? Ah, ok. Ouais, Windows pareil, j'ai tout mis à fond. T'as Windows par contre. Ouais, c'est un peu con ça. L'histoire du GPS. Bah, ton ouais. Casque? Bah, non, mais pareil, le casque il est à fond. Tout est à fond. Voilà, c'est tout fuit devant. Ouais, tu peux prendre un peu plus sud. Problème de driver, un truc comme ça. Voilà, c'est bon, comme ça. En tous les cas, très beau visuel, thermique. Va être bon pour te réinstaller. Repique un tout petit peu plus ouest. Ouais, attends, je fais ce que je peux avec la végétation. D'accord, d'accord. Il faut que je fasse des contours et tout ça. Et des cheveux. C'est marrant, un coup je pensais que t'allais plus remonter dans un véhicule. Ouais, mais c'est pas un véhicule buggé celui-là. Enfin, j'espère pas. Ah, t'as un petit trou là dans la carrière. Des petits trous. Hop, des petits trous. Devant, ils sont bien blindés là, les petits trucs là, les petits écoutilles au moins. Là, j'arrive dans une clairière là. Avec Garnet. Est-ce qu'on voit à l'intérieur depuis l'extérieur? C'est ça la question qu'il faut poser. À mon avis, enfin, par la porte arrière, oui. Je regarderai. À coup, faut vraiment que tu prennes plus à l'ouest, là, si tu peux. Ok, ça marche. Quasiment plein ouest, légèrement sud, quoi. Bah, tu restes sur cet axe, ça coûtait bien. Je peux pas... Ouais, privilégie l'ouest. Caillou en face. Parfait, je te reçois 5 sur 5. J'aime pas les boîtes de conserve. Moi non plus. Ouais, confirmé. Je devrais prendre un peu à droite à coup. Ah ouais. Moi j'en aurai un aussi une fois sorti du véhicule. Droite du caillou, entre le boulot et le caillou, ça passe. Je crois que si je crée un squad marker maintenant, ça va l'attacher au véhicule, non? Oui. Ouais. Je vais le faire maintenant, comme ça il y en a un de véhicule. Oh. Ah, t'as eu peur. Ouais. C'est des petites blagounettes comme ça. Regarde sans les mains. Hop. C'est à quoi comme armement ça? J'ai même pas fait gaffe. 12-7 et... Ouais. J'ai 500 bastos de 12-7.
Ouh, j'ai et 96 grenades GMG. J'ai même créé un pour le véhicule. Okay. Je privilégie la douceur. Ça, c'est un Maride ou un Camiche, je saurais jamais. Un Maride, je crois. Maride. Il me semble. Ouais, c'est Maride. Tu veux qu'on en crée un aussi, c'est parfait. Non, non, non. Ok. Je passe à gauche là. Comment les véhicules. Il y avait tellement de chemin à faire. Ouais. On arrive là. Ça avait l'air plus court. 200 mètres, voilà. Je crois. Ouais, 2 km à faire. On est bientôt arrivé. Pas de problème. J'ai la carrosserie crissée, c'est que je suis. C'est fin. Les arbres. Quand on arrive. Alors, là, quand on va arriver dans une clairière, tu prends à gauche. C'est la clairière 2 kilos. Je suis à gauche, ok. Ouais, tu prends la clairière, tu te mets au milieu de la clairière, plus ou moins sur la gauche. Voilà. Ceux qui ont envie de faire pipi, allez-y maintenant. Tout ça, c'est de trépidation là. Ok, halt. Bah, il est vieux maintenant. Infanterie débarquée. C'est la fréquille, je vais voir si tu peux. Il y a un côté gauche du véhicule, assaut côté droit. Côté gauche. Ah, je regrette de pas avoir mis ma manette. Tant pis, c'est pas grave. Bon, non. Je vois ta tête dans mon viseur. Orca de commandement. Orca de commandement. Ah ben je vois les rétros du coup là. Et voilà, je peux m'exposer bon. Aussi. A tous, j'ai plus de contact avec l'Orca, donc on va commencer à pousser sur Tallinn pour essayer de reprendre le contact radio. Du coup, on va rester dans cette formation, c'est-à-dire le Maride au centre, et le groupe de soutien sur le côté gauche, et le groupe d'assaut sur le côté droit. Progresser en parallèle, l'Orca tu fais des vitesses lentes, et je te dirai quand t'arrêter. Bon, on se décale on un peu parti. Plus de véhicules du coup. On est où ouais. Exactement. Ok, et... on reste. Yo. Ok, attends, donc on va là, on est sur la clairière kilo. On se met en formation. Je ouais, vous me recevez, Orca. J'ai rouge à gauche et une version à droite. Ok, ouais. Parfait. On est arrivé sur kilo là, donc comme vous pouvez le voir, du coup, on va progresser sur Tallinn. A tous, on y va. On commence à monter en direction de la colline qui est devant. Parfait, tu veux que je privilégie un côté particulier plus d'espacement, plus d'espacement. L'avant. Parce que l'idée l'avant. C'est que tes flancs sont couverts, l'avant et l'arrière, à la limite des fois check en arrière. Que tu peux peut-être faire, c'est pour l'instant je reste en commandeur donc je vais me mettre en. C'est nickel, si vous restez exposé, je peux rester exposé, donc ça c'est parfait pour moi. Quand tu auras du gravu, j'en rentrera, mais là c'est nickel pour moi ça. Ouais, pour l'instant tu peux rester exposé. Vas-y, avance à coup, avance. De gravir la colline, là tu fais des zigzags si tu as besoin d'éviter des armes. Mais... Je vais rester à leur, à leur allure. Pour l'instant on continue à avancer là. Ouais, mais il s'était arrêté en fait donc. Je me fixe sur leur allure ou c'est nous qui donnons l'allure? Donc, tu te soucies pas trop, t'avances et s'il y a besoin que tu t'arrêtes, on s'arrêtera. Il y a un truc ouvert devant qui me cache un peu la vue. Ouais, c'est le truc d'à coup. Ça faudra peut-être le fermer au moment de quand ce sera chaud à coup parce que ça nous bloque bien la vue effectivement. C'est mieux là? Ah merci, ah oui c'est très bien. Ok, bah, je vais rester comme ça ira. C'est juste que je vois pas l'infanterie autour de moi du coup. Ouais, non, t'inquiète, flamme droit. Attention, un petit. Putain, faut pas qu'il me reste trop près là, Goya. Il va vraiment passer pas loin la vue. Ah, si vous faites attention de que vos hommes soient pas trop près du véhicule en cas de manœuvre. Ah c'est mieux. Je suis en thermique, au moindre contact j'avertis. Orca de leader. Tu peux venir te poser en stand-by sur Kilo.
assaut et soutien, donc vous êtes chargé quand même de protéger les flancs du véhicule. Le véhicule va plutôt scanner l'avant. Et arrête-toi un peu à coup, deux secondes. Moi je vois mal le flanc droit hein, donc et tu peux y aller, vas-y avance. Ouais, prends légèrement plus sur ta gauche pour arriver au sommet de ta ligne, ça sera mieux. Coup. Véhicule modifie légèrement sa trajectoire. Le véhicule modifie légèrement sa trajectoire sur la gauche. Ouais, radio, désolé. Vas-y, mets 180 pour le véhicule. Ouais. Peut même peut-être pouvoir prendre 170, tiens. Correction 170. Ok, je corrige dès que je peux. Ouais, il va falloir que je tourne un peu à gauche là. Ouais, il y a beaucoup d'obstacles. Toi, t'as du lance-grenade et de la HMG, Fuckball. Du 7. HMG et GMG 40mm, j'ai 96 grenades et 500 bastos de 7. Ok. N'hésite pas à utiliser tes grenades même contre de l'infanterie hein, au moins tu fais... Ouais, sur des groupes. Hein. Ok, bien reçu, on va faire halt. À tous, halt. Avance un tout petit peu. Ça veut dire que t'as des hommes fatigués, c'est ça? Et arrête, arrête. Locos 143. Quand on sera dans l'urgence, c'est toi qui feras le lead à un fuckball, enfin je veux dire du véhicule. Ouais. Je m'occuperai de rien moi, parce que j'aurais besoin vraiment de m'occuper de l'infanterie. T'inquiète, je le ferai bouger à coup. Hein. D'ailleurs, je vais débarquer un peu là pour faire autre chose, pour m'occuper de l'infanterie. Laisse-nous ensemble. Je le vois en 140 le bunker. Ouais, ça va. Ouais, 11h, ouais. C'est un monument en fait, j'ai dit un bunker, c'est un monument. Ouais, je vois un truc gris moi. C'est un monument avec un char dessus, c'est assez joli. Magnifique. Ah, thermique, je voyais pas le tank dessus. Là, on est sur Tallinn. Ouais. Ah. On est pas encore tout à fait au sommet en fait là. Oh, t'as le... Ah non, l'hélico on l'a pas de son fréquence. Moi je l'ai, pourquoi? Là toi, bah son... Non, mais au cas où, c'est bon, comme ça je sais. T'as, c'est super agréable à piloter en tout cas. Ouais? Ouais. Ça tourne bien ça. Ouais, je regrette, la prochaine fois j'essaierai de le reprendre mais avec la manette, ça a l'air cool. Ah oui. Hein? Tu veux que j'avance? Ils vont sur la statue. Eux, okay. Ils vont. Vas-y. Moi, c'est bon, moi j'ai un visuel. Death, attends. Ah, en fait, j'ai du mal à savoir quand tu parles sur la radio ou si tu me parles à moi. Ouais, c'est genre. Death, y'a rien, hein. J'ai. Ah si, il faudrait que t'avances alors, mais... Voilà. Si tu me vois nos gars en face. Ah, je les ai vus avancer, ouais. Ouais, bon, en 140, tu fais tout droit, fais gaffe, ils sont juste devant nous. Ouais, ok. Si t'as une directive à me donner, tu dis à coup, d'abord, comme ça je saurais que tu t'avances. Ouais, t'inquiète, pour les pas de... Okay. Jamais il y a des mouvements à faire pour du tir, je te dirais un mètre arrière, un mètre avant. Et là, tu peux jumper là de bien 50 mètres en avant. Corrige légèrement à gauche. Ouais. Là, entre les arbres, reste. C'est parfait là. Parfait. Tu cales, tu vois le bâtiment ou pas encore? Je vois le. Ouais, le
truc là, le monument là. Monument, pardon, bâtiment. Tu vas essayer de t'y caler. Essaye de t'y caler juste devant. Tiens, on fait le tour par la gauche. Ouais. Normalement, t'as pas de granon, ouais, c'est bon. Fais le tour par la gauche et tu t'y cales sur la gauche. Je te reste dessus, tu vois. Ça nous offre une couverture. Et on peut regarder en avant. Non, attends, t'as fait plus à gauche. Top. Ça fait rentrer dans le monument. Non, mais non. Non, gauche, ah, bon. Ah oui, si. Ouais. Oh, c'est bon. Tu vois c'est pas bon. Top. C'est Froggy qui me fait des mouvements de tête. Garde leader. Alors que j'écoute. Il a un call sign le chef ou c'est le chef il s'est appelé leader. Mais pour leader, l'instant, RS, on pousse en lisière Tallinn. Leader de Marine, standby. Ok, bien reçu. Ah, j'ai les copains, ils sont devant là. Pour là, pour prendre. Alors, pas, je passe par la gauche. Ouais, parce que le monument, t'es trop près là. Mm. Donc tu braques à fond à gauche. On va mettre tes roues au fond à gauche. Fais gaffe, il y a des équipes à nous hein, sur la gauche. Hein. C'est un ordre ça? Attends, non. Okay. Bouge pas, ça. Tu l'as pas la radio toi? Non, je l'ai pas moi. Je suis sur le canal 2 pour la. Ouais, pas de soucis. Je pense que je me demande si je me mettrais pas sur le canal 1 plutôt, tu vois. Ça a l'air plus pratique. Bien pris, leader, on avance. Ok, toute gauche. Et tu nous fais une avant 60 mètres. Gauche et en avant 60 mètres. Marie, tu peux pousser jusqu'à être en lisière, tu nous verras, tu t'arrêtes en lisière et tu fais de l'observation. Quoi, je tourne à gauche, à droite là. Encore, prends l'entre les deux sapins là. Vas-y, tu corriges sur la droite. Fais gaffe, là et tu essaies d'aller tout droit. En lisière de forêt, il faut s'arrêter. On va les voir. Là, pour l'instant, je les ai pas. Non. Voilà. Entre les deux. Il va falloir que tu repiques un peu plus à droite. Hein. Ils sont plus à droite, nos copains. Ok. Pas de bêtises. La position actuelle de l'assaut. Rien avec ce thermique. Okay. Je vois pas. Je pense qu'on a dû les dépasser. Hein. En lisière, t'arrêtes là. Stop. Ils sont derrière. Ils cachent trop bien en fait. Ah ils sont derrière. Ils se cachaient trop bien en fait, c'est ça. Et Assaut, tu te places à peu près sur le côté droit du Marid, là, avant droit du Marid. Soutien sera sur l'avant gauche. Ok, il y a toutes les petites fourmis combattantes autour de nous là, ils sont déplacées à flanc gauche. Ouais, je les vois devant là. À la droite. On est la reine. Ah, c'est en position. Les ouvriers. Par contre, c'est du blindé, je passe direct en GMG et je l'arrose. Ouais. C'est du blindé du. Infanterie. Oh, 9. L'infanterie, je vais essayer de la traiter à la doucette. S'il y a des groupes d'infanterie, ce sera de la grenade. Mais vu que j'en ai que 85, je préfère privilégier le 12-7 plutôt. Parce que la 12-7 pour le blindage, c'est bon, hein. Ça passe bien. Enfin, pas si c'est du blindage. Ouais, aussi. Marie, tu peux t'avancer sur une cinquantaine de mètres, même pas. Ok. 50 mètres avant tout, tu passes entre nos gars. Fais gaffe, hein, doucement. Ouais. Corrige un petit peu à gauche. Top, t'as un mec là. Ok. Bon, vas-y, avance encore un tout petit peu. Dès que t'es au niveau de notre gars à gauche, top, contact. Vous avez du contact devant vous dans la clairière qui est à nos pieds là, au 150. Affirme. 400 mètres. 151. Je traite. Dès que visuel, engagé, Marid.
Assaut, redéploie-toi bien sur le flanc droit du Marid, quitte à pousser un peu plus ouest sur maximum 50 mètres. Garde Marid, deux contacts traités. Bien reçu Marid, continuez l'observation et engagez ce que vous avez à votre portée. Là, y a plus... Ah si, il y a du contact là. On est des tirs Marid, vous reculez tout droit derrière vous. Ce sera parfait. Bien pris leader, contact azimut 171, un peu plus loin à 600 mètres, ça remonte. Progression droite-gauche, ça remonte la colline en 170. Autorisation d'engager. Oh là, c'est loin. C'est 800 mètres. Ah, c'est trop loin. Plus de 1000 mètres, c'est pas possible. J'arrive pas à toucher. T'arrives pas à zéroer? Non. Ah, je suis à fond là, je suis à 1000 mètres et je les touche pas. Il faudrait que je corrige avec mon Macron. Pas plus d'un kilomètre en fait, avec que j'avais zoomé. Ah, c'est du Vania, donc à mon avis, la mire, faut pas trop t'en occuper. Hein. C'est intraitable, c'est trop loin. Dehors, de Marid. Parlez Marid. Impossible de traiter les contacts qui sont effectivement beaucoup plus loin que ce que je pensais, plus d'un kilomètre. Parlez Marid, allez-y. Leader, impossible de traiter les contacts en France 70 qui ont disparu dans la forêt et qui sont effectivement un peu plus loin que prévu, ils sont à plus d'un kilomètre. Et bien reçu, continue ton scan pour vraiment scanner toute la forêt qui est devant nous parce que c'est fumée, en face. Le paysage qu'on va parcourir. Et de la brume, la fumée, je vois pas. J'ai pris leader en 173, j'ai également de la fumée en 173. Bien reçu, c'est le camp, l'objectif. Alors, de là, ça c'est fait. De là, sans trop loin. Ah, les patrouilles qui reviennent. Assaut en position, on a avancé un peu pour se mettre sur des couverts, sur des rochers. Bien reçu, assaut. Oh putain de bordel. Attends. Mon zéro ink est fucké là. Non. En 170 toujours, il y a une autre... Essaye de balancer une grue juste pour voir. Voir si le zeroing marche bien avec les grenades. Ok, je suis avec vous dedans là. Ouais. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais redéployer assaut ailleurs. Enfin, l'infanterie ailleurs, carrément au sud sur la plage, sur les points verts. Pour qu'ils puissent faire quelque chose, parce que là, ça va être trop chiant pour progresser tout droit. Du coup, vous allez rester là, je pense, à partir du moment où on aura quitté la position, vous resterez 10 minutes maximum. Ça veut dire qu'il faudra checker un peu vos flancs. Ok. Ah tiens, j'ai une patrouille contact, là, j'ai ouais, 45. Vas-y, on voit. Et t'engages un maximum de contact, donc je vais redéployer avec l'hélico l'infanterie là-bas. Et l'idée c'est que l'infanterie sera couverte par l'hélico, par contre vous, vous êtes un peu tout seul, donc faites gaffe à votre peau quoi. Okay. Ça va? Ouais. Ok, j'organise ça et puis je vous dis quand on est en train de partir. Ah, quand même. Putain, mais... Vraiment fucké ce zero wing. Ok, j'en ai eu deux. Les leaders Also et soutien... Je me calme avec les munitions. Laissez-les en place et rejoignez-moi. Quand je m'expose, tu vois... C'est quel secteur? Ah, c'est bon. Que tu vois pas. Non, mais c'est bon. C'est le gauche. Le flanc gauche, je vois un peu moins sur nos pieds, quoi, si tu veux. Mais vu que je zoome à gavé, y'a pas de problème. Parce que...
que moi je m'exposerais bien pour aussi scanner un peu sur gauche et droite. Comme tu veux, si ça pète, tu rentres sa tête, puis c'est tout, tu me dis où ça vient. Ouais, c'est ça. Mais je peux pas comme tu veux, vas-y. Moi pour l'instant, je scanne devant. Devant, c'est 2, 3, 4. Tu m'as pris. Exact. Mais c'est vraiment chaud, les aéroïdes. En déplacement vers toi. Ouais, je peux pas m'exposer parce qu'il y a pas de chef de bord. Regarde si t'as, si t'as pas un bon visu en chef de bord pour scanner. Ouais. Ça peut être utile peut-être pour toi. Ah oui. Ça va, je te gêne pas là. Orca prend de l'attitude dans l'air. Totalement. Je te gêne pas. Je te gêne. Ah, je vois en, en commandant, je vois plus rien. Mais je repasse en gunner, laisse tomber. Ah ok, bah sinon je rentre, hein. Pas de soucis. Non, 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 mais vas-y, sors la tête si tu veux, mais je reste en gunner, si je préfère. Bah, je peux pas sortir s'il y a pas de commandant en fait, donc. Pas grave. Ah. Et en commandant, bah, du coup, je vois pas. Ouais, c'est con en fait. C'est mal branlé. Drone de merde, je tape trop bas. Bon, je vais arrêter de tirer trop loin, ça sert strictement à rien. Inefficace, ça tombe trop vite la 12-7. Et si t'es en commandant, tu peux t'exposer toi aussi, peut-être que tu peux aussi regarder aux alentours, non? Ah, pas faux, pas faux. Fais revenir toi Doudou parce que t'es un peu loin. Ouais, je peux avoir des alentours, hein. Mais vraiment c'est court. Hein. Le proche quoi, le proche. Ouais, voilà, très proche, ouais. Tu vas pouvoir venir te poser dans la clairière. Tant que t'es... De toute façon, tant que tu veux garder la place, je peux m'exposer. Si tu décides de changer, je pourrais rentrer. Ouais. Ça fait que là, si je... Ah ouais d'accord, non, je peux plus me remettre en gunner, d'accord. T'es en gunner? Attends. Là t'es explosé? Ouais. Ok, là je suis gunner. Ah ouais. Ah bah cool. Voilà, c'est bon. Marie, je préfère rester là. Ah mais je peux pas. Directement sur zone. Je peux pas rentrer. Je peux plus rentrer. C'est naze. J'y rentre, rentre, rentre. Ah c'est tellement naze. Ah, je reste gunner, je préfère, parce que... Attends, j'ai eu une com, je l'ai pas prise du coup. Leader de Marie, vous pouvez réitérer la dernière communication s'il vous plaît. Le Orca vient nous chercher directement à côté de votre position, l'infanterie, et quand on décolle, je vous tiens au courant. Bien pris, leader. Et il y a l'Orca qui arrive sur nous, et il vient prendre l'infanterie. Le leader. Ok. Ils vont bouger. Ah, je t'écoute. On peut directement aller sur l'hélico qui est au nord-est de notre position. En fait, c'est, okay, bien pris, on y va. C'est complètement con en fait. Ça veut dire que j'ai pas le droit de rentrer ou de sortir, mais je peux être dehors. Il y a énormément de patrouilles en face au loin, mais je peux pas les péter quoi. J'ai pas de portée quoi. Ouais, sans charge. Des voix en zoom si tu veux, mais en zoom à fond quoi. Ouais. Ah là, je peux tirer jusqu'à 500 mètres grand max quoi. Qui est bizarre. Même là, à la grue, ça marchait quoi? Et à la grue, j'ai même pas vu mes impacts alors j'ai arrêté parce que. C'est parti tuer ce véhicule là. Alors est-ce que ceux-là je vais pas leur péter? Ah c'est qu'il était à 300-400 mètres là, je les ai niqués bien. Par contre ils couraient trop. Je suis à 339. Hein. On retourne sur nos positions où on était avant, c'est ça? Bah, c'est un moyen de réarmer du coup en plus. Ils sont partis donc hein. Ouais ouais. Ouais j'ai eu 4 gars et j'ai tiré 120 bastos, un peu plus. 140. Toi t'as un GPS? Non. Ok. Je suis en train de regarder par où on passera pour rejoindre la côte. Ah oui, m'en occupe pas. Donc sur le sud-est de notre position, donc à 10 minutes. Par là quoi, 140, 130. Là on est là. Sûrement pas. Oh, pas la mer, moi de là. Ah, tu fais des points, Manique. Ouais. Bah, on est qu'à 2, donc ça va, je le mets en canal véhicule. Oui, véhicule. Bon, l'hélico était endommagé à l'atterrissage. Du coup, c'est vous qui allez faire le transport.
Alors l'idée c'est que l'infanterie va réembarquer et puis on va repartir légèrement au nord, en direction du nord-est, pour rejoindre le... Ben si tu regardes sur ta map à coup, tu vois mon point. Ah il est là. Ouais. À coup. Ouais, on va rejoindre à peu près cette position en faisant un léger arc de cercle nord-est. Ok, je leur dire d'embarquer. Je marque mon itinéraire. Ok. Enfin je le marque en véhicule. Ouais c'est ça. Ok, assaut soutien, tenez-vous prêt à embarquer dans le Marid sous peu. Bah c'est quoi avec l'hélico? Heure d'un véhicule lors du posé. Heure d'un rocher lors du posé. Ah. N'hésite pas beaucoup. À plus contourner à coup, hein, parce que... Ah ouais, carrément. Bah pas plus près que ce côté en tout cas, ça c'est clair. Ouais, non, je comptais partir après direct vers la côte. Par la guerre, ouais, voilà, fais comme ça. Je longerai en lisière ici. Ouais. Et après, on repartira là. Tu vois, Fuckball? Ah non, moi ça me bat, moi. Moi je souffle toujours les mecs. C'est toi qui vas me guider, quoi. Ouais. En commandeur, de toute façon, dans le truc pour l'instant. Ok. Bon, bah, si t'es prêt, tu te sens prêt à partir là tout de suite? Moi, ouais. Ok. Assaut soutien, vous pouvez embarquer dans le Marine. Donc là, on fait plein de nest. Hein. Pour l'instant, faut revenir en arrière. Ouais, ouais, on va partir légèrement en arrière. Là, on est ici. Ouais. Du coup, Fuckball, tu surveilleras le flanc droit pendant là tout le trajet. Ouais. Je vais me guider pour ma marche arrière. Ah, je suis deux. Ah, fuck. Maldry d'abord. T'es moi le premier. Alors... Ah ouais. Bah, c'est vrai que tu sortes pas. Ah, c'est bon, j'ai le même soutien avant, tout va bien. Ah, bah non. Ah, tu fais marche arrière, droit. Non, c'est soutien. Assaut, signalez-moi dès que vous êtes à bord. Attends, attends. Assaut à bord. Droit. Okay, on y va. Droite. Ah, marche arrière, tout droit. T'es encore à côté de moi, Goyaka. Non, tu fais un demi-tour, c'est véhicule à roue, tu peux faire un demi-tour en passant par la gauche. On va finalement faire un demi-tour en passant par la gauche. Excuse-moi, football, fais ce que tu veux. Non, vas-y. Tu vas regarder dans l'arrêt de roue, les gars, ça sera plus simple. Recule pas, allez. Fais un grand demi-tour, t'embrouilles pas. Ouais. Comment on vit, là? C'est pas mon permis, là. T'as une créneau à coup. Vas-y. Allez, avant droit. C'est parti. Tout droit dans la clairière. Là. Dans la clairière. Dans la... À la vallée de Dana. Ouais, il y en a, mais là, tout sort. J'ai couvert. Ouais, tu me dis d'aller. Tout le monde va te le demander, Mystery. Hein. Ouais, alors, du coup, il y a tout le monde. Alors, l'histoire de Nico. Je me pose, tranquille. Tu veux la radio comme ça, t'es tranquille. On s'entend plus. Ouais, ce sera plus tard l'histoire de l'hélico. Fais gaffe, reste plutôt sur la gauche. Fuckball, c'est bon, je vais guider à coup, tu vas prendre le flanc droit. C'est le flanc droit la menace. Ok, je sais plus où on est là. Vas-y, continue. C'est bien, t'es parfait là, tu peux prendre plein est. Attention, ça accélère. Lisez votre frein moteur. S'il y avait un frein moteur. Vu la pente là, le frein moteur. Les quatre ont mangé derrière, ils sont trop lourds. J'ai tout mangé le chocolat. Comment ça se fait que j'ai entendu Mystery sur la radio de l'équipage? Non, j'ai pas un style de l'équipage. Je sais pas, je l'entendais sur la radio de l'équipage. Okay. Un bug peut-être? T'es où Mystery? Je suis avec. Je suis dans avec les sardines là. Ah ouais, je te vois là. Ouais. Oula! Eh ouais, beaucoup de vitesse. On va un petit peu vite, on va se prendre un arbre. Mais non, les gars. On va très bien. Je peux piquer légèrement sur la droite. Allez, vas-y, je suis en arrière. Vraiment légèrement, voilà.
Oh, les sous-marins tranquilles. Bah, vu l'état de sous-marins de Durand actuellement, je pense pas que c'est une bonne idée, quoi. Et allez. Pas gentil. Y'a les sièges baquets à l'arrière pour les. Pour les bidasses. Ouais. Et... ouais, mettez vos ceintures d'ailleurs. Non, on les a remplacés par les sièges à clous. Les sièges à clous. Les toilettes percées, les mecs. Les sièges fakir. J'ai cru voir un contact, c'était un lapin quand même. Et tu peux suivre à droite, là, tu suis la clairière vers la droite. Ah, tu vas avoir une petite haie devant toi, tu traverses. C'est parfait, moi sinon j'arrive à taper à 500-600 mètres hein, max. Hein. Après le zeroing il est trop pété, ce véhicule. Bah, tu peux bifurquer sud. Sud. Bon, il y a plus ou moins une zone derrière, voilà. Ouais, parfait, il y a une carrière. Tu prends plein sud et on va rejoindre la côte. Mais on s'en va à 25 là à peu près. Là on arrive vers la côte en 22, 27. Vas-y, va faire la gueule quand tu vas voir comment je pilote comme un dieu. On est sur la côte là. T'avances jusqu'à... tu t'avances vers la droite sur la côte. Quand t'es à la côte, tu suis la côte sur la droite. Quand il y a des arbres pas mal, tu t'arrêtes pour les... Ah, tu vois un peu devant au bord de la mer, il y a des rochers là, on s'arrêtera par là. Et à droite, à droite, à droite. Ouais, attends. C'est face au... 240. Et halte. On est bon. Infanterie débarquée. Okay. Flanc gauche pour soutien, flanc droit pour assaut. Ball, couverture avant. L'idée c'est que là, Fuckball, vous allez être légèrement en arrière. Ouais. Et l'infanterie va progresser le long de la côte jusqu'aux environs de Mike. Vous, vous êtes légèrement en arrière et vous checkez là, votre flanc droit. Flanc droit et avant droit. Ok. Ça va? Ok, ça va. Débarque. Plan droit, avant droit. On check l'avant et la droite quoi. Enfin je pense qu'il veut dire l'avant de la côte. Voilà, oui, l'idée c'est qu'on va progresser le long de la côte jusqu'à la position Mike. On couvre nos gars quoi. Ouais. On aura assaut devant et soutien qui le suit à 100 mètres d'écart. Approché. Le mari ferme la marche derrière le groupe soutien et il check le flanc droit. Ah, pour assaut bien pris. L'assaut c'est toi qui peux commencer à partir et puis soutiens ton boîte à l'arbre. T'emboîtes le pas. J'espère qu'ils vont au moins utiliser les arbres. Je suis vraiment la plage, hein. On reste au bord de la mer. Ah ouais, non. Alors, vraiment, il va falloir que je fasse gaffe aux signatures thermiques, moi, parce que. Dès du close. De faire des. Ouais, mais on va y aller doucement et puis ça va le faire. Pour assaut, on est parti. Ah, j'ai zéro contact, j'ai avec toute cette forêt aussi. Je pense qu'il veut prendre, ah ouais d'accord, Mike Vilnius s'est inséré dans la clairière et c'était tout là-dedans quoi. Nous aussi on suit le long de la plage. On suit après mais... Ouais, mais je veux dire. On ferme la marche, tout. On ferme la marche, là. Ouais. Marie, tu suis le groupe soutien qui vient de partir à 50 mètres max. 50 mètres max, là t'es trop près. Non, il y a 50 mètres là. Hein. Ah ouais? Bah ouais, c'est près 50 mètres. Hein. Et Marie, tu peux engager tout ce que tu vois, tu préviens juste avant. Ah ouais. Eux ils ont 100 mètres d'écart, nous on a 50 mètres. Et qu'on a pas la même vision des choses, des BND.
Ouais, ah, donc là, il y a des brouillards ou quoi? Oui, il y a des brouillards. Ah, ça flotte en plus. On est l'orange gardien ce soir. Ça doit leur faire du bien de savoir qu'ils ont un blindé pour couvrir leurs arrières. Oh oui. Tant tellement mieux avec un blindé à tes côtés. Arrête pour que... la halte, présentez votre blindage avant en direction de ouest-sud-ouest. Ouest-sud-ouest, tu te mets nez avant, ouest-sud-ouest. Ok, l'arrêt il a dit. D'arrêter 50 mètres environ dans les rochers. On s'arrête 50 mètres dans les rochers. Je sais pas si t'as les coms, du coup je te répète. Ouais, 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 je les ai. Ok, bon. Mais bon, si t'as besoin de préciser tout ça, vas-y, y'a pas de soucis. Je peux rater des trucs aussi parfois. Ah, je te répétais bêtement ce que tu disais parce que je savais pas si tu avais là. Ouais, si j'entends pas un truc, je te demanderai en fait. Je pense. Je te demanderai confirmation et puis. Si tu te calmes. S'arrêter ici. On voit pas les rochers moins thermiques. Ouais, ils sont juste devant les trucs grisâtres. Voilà, ouest-sud-ouest. Par contre, Marie, tu peux passer les rochers de soutien contournant par la gauche, côté mer. Tu te mets entre le groupe assaut et le groupe soutien. Même position, même orientation. Il veut qu'on se mette entre soutien et assaut, c'est ça? Ouais, ouais, c'est ça, dans la même position que t'étais, sauf qu'on se met entre nos deux équipes. Non, ouais c'est bien. Ouais, nickel, mets-toi comme tout à l'heure, bouge plus. Voilà. C'est parfait. Alors, devant. Ça va le faire. Y'a rien. Le pire c'est qu'on a des blindés et tout en face, hein, je crois. Y'a des oiseaux. Des lapins. Non. Peine d'humain. Je sais pas où est-ce qu'ils vont débarquer, c'est les véhicules ennemis, mais... Ah mais je les allume là, GMG moi, je te garantis, y'a pas de... y'a pas de 12-7 qui compte là, c'est boum boum. Et à tous, on va reprendre la marche toujours le long de la mer, avec assaut devant, soutien qui suit, et Marie derrière. Assaut bien pris. Pas où on est là par contre du coup. Bien, vous suivez. Aucune idée. Ah t'es sur Mike là. Pas encore, mais bientôt, je pense. Ah oui, on est sur les points verts juste avant, 119-029. Ah, on est que là? Je pense, non? Pas de GPS, c'est du... Imagine. Tu peux y aller, hein. Ils sont partis, nos gars. Est-ce que je vois pas les supports qui étaient derrière? Attends. Y'a un mec tout seul, c'est quoi ça? Pas derrière, ouais. Non, c'est bon. Ah c'est bon, je savais bien que... Il y avait un truc. Confirme de temps en temps les coms à Sparfell pour dire que tu l'as bien reçu. Bien reçu, les gars. Assaut, prochaine halte aux environs du point Mike. En restant côté plage. Bon, assaut bien pris. J'ai oublié. J'avais été reçu. Je sais pas comment j'active sur ma croix. Normalement, apparemment, il y a un truc de distance qui apparaîtrait. Je sais pas comment je le fais apparaître. La touche tab. Ouais, c'est la touche tab. Ah, la touche tab. Ouais. Ça te fait quoi? Ça te met des chiffres en bas? Bah, la distance, oui. J'avais complètement zappé, hein. C'est ça ton zeroing en fait, hein? Bah, oui. Tu pointes, tu tabes et tu tires, et puis normalement tout sera aligné. Ah, tu devrais mieux t'en sortir du coup maintenant.
Je sais pas pourquoi tout à l'heure j'ai complètement mis le. Ah, toi, contact, flanc droit. Leader de Marie de contact flanc droit. Ah, j'ai mis 250. Bien reçu. Son soutien rejoignit le rocher du proche et faites halt. Juste en face de nous là. Ouais, je me mets en. Je le vois plus, mais il est passé. Progression droite gauche. J'ai pris leader à progression droite gauche à 1250. Pour l'instant, j'ai perdu le visuel sur la cible. Ah, si vous avez autorisation d'engager dès que reprise du visuel. Bien pris leader. Moi, je l'ai vu passer, défilant droite gauche, en face de nous. Là, je le vois plus. Là, qui était à 300 mètres. Hein. Ah, je le vois plus. Végétation. T'as pas l'aviation là avec un peu de napalm? Il l'a vu. Ah, je le vois. Ah putain. Là, viens petit coco. 300 mètres. Faire un petit peu de suppresse même. Et deux. Ah putain, l'autre s'est barré. Balance une creux dans la gueule, t'aurais eu tout le tas. Leader de Marie, j'ai éliminé un contact, je poursuis le suivant. À l'intérieur. Ok, continue le tir. Je vais vous recréer un marqueur parce que ça buguait, c'était sur moi. Le filant de gauche-droite, je l'ai perdu encore dans la végétation, c'est le bordel. Tu veux qu'on le fasse le marqueur? Ouais, vas-y, tu peux le créer. Ah ouais, bah non, on a pas de GPS. Ok, je vais le faire là. Voilà, j'ai arrosé la zone. Entrée, hein. Ok, je vous laisse. Ok. Yep. Et je le vois plus, il s'est carapaté, ou alors je l'ai descendu avec les grenades. Ouais, au moins on sait qu'il est là. Tellement dense, je te garantis, c'est vraiment pas évident. Tout à l'heure, quand je l'ai vu, j'ai juste vu un bout d'épaule dépasser, tu vois, le thermique. On a rien sur l'arrière droit? Parce que là on est en zone rouge là. Arrière droit. Négatif. Ok. Ouais, là on est en zone rouge. Hein. Brouillard qui me coupe la moitié de mon visuel quoi. Vas-y, viens. Elle est où ce con? Reviens! De Marie. Patientez Marie. Assaut à soutien va vous passer devant, il va passer derrière vous et il va avancer plus loin sur la plage. Voilà. Parlez Marie. Marie, tout comme visuel sur les ennemis, ni sur le dernier tango défilant gauche-droite. Bien reçu, avancé d'une centaine de mètres sur la plage. Ok. J'ai pris les gars. Bouger 100 mètres gauche, plage. Dans la droite. Vous pouvez continuer votre marche, assaut, vous leur emboîtez le pas à 50 mètres. Éliminer un. Notre jeu ou pas.
Farid, vous pouvez encore pousser de 200 mètres sur la plage. Pareil. Assaut, halte au prochain rocher, soutien, halte au prochain rocher. Ah, je les ai eu, oui. Contact. Bouge plus. Contact, leader de Maride, je traite. À la greu. Attention, on est devant vous, Maride. What? Fais gaffe, ils sont devant. Hein. Oh non. T'es sérieux? Ah non, putain, non. C'est là-bas, oui. Non, 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 il y a contact à 10270. Putain, ouais, il m'a fait peur quand il m'a dit ça. Devant, devant, pas devant, flanc droit, quoi. Ouais, ils sont sur la plage, quoi. Oui, oui, oui. Non, non, les contacts que j'ai vus, j'étais... Ça, je les ai perdus, du coup. Merde. Putain, il m'a foutu tellement les boules que j'ai complètement... Oh là là. De notre position, on a du contact, effectivement, sur notre nord. Voilà, ça. J'ai attaqué à la greu parce qu'il y avait tout un groupe. J'ai pris leader, il y avait tout un groupe, moi, sur le dernier contact et signature thermique. Bien reçu, Marie, faites encore 200 mètres. Vous allez dépasser mètres. Le groupe assaut et vous mettre entre assaut et soutien. Ah, comme tout à l'heure, je passe à ras de l'eau. Ouais. On est sur Mike, hein, là. Ouais, moi, j'ai engagé direct à la greu quand j'ai vu le groupe d'ennemis et... Non, mais t'as eu raison, t'as eu raison. Je sais pas si j'ai touché. Mais à 500. Si je les vois, top. Attends. Ouais, là t'es bien, bouge. Putain, merde, ils sont derrière. Ils jouent avec mes nerfs là. Ah, ils sont là. Là. 500 mètres, je vais les allumer. Garde Marie, j'engage les troupes ennemies. Ouais, Marie, allez-y. Je change de... Ah, je pense que je les ai ratés. Derrière une butte. À 500 mètres. Je les ai plus. Ah là 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 là. Précipitation. Aucun contact. Contact leader. Cup. Vas-y, il faut lui manger. Leader de Marine pick-up armée détruit. Ouais, bien joué Marine, maintenez la position. Y'en a un derrière, y'en a un derrière. Merde. Okay. Non, mes grenades elles partent mal hein. Elles mettent plus de temps aussi. Allez, dans le second. Ah là là, j'ai allumé mes munitions, là je fais n'importe quoi. T'as tout flingué? Non, 510. Le groupe soutient une centaine de mètres en direction du nord-ouest sur la première petite colline. Assaut, vous pouvez prendre la position actuelle de soutien. Le problème c'est que je corrige pas assez vite mes tirs et le temps que ça arrive sur cible à 500-600 mètres. D'assaut bien pris. Tu fais juste une rafale pour prendre la mesure et puis... Ouais. Là j'ai fait un peu. Une fois que t'as vu comment ça se comporte, là tu vas quoi. Il me reste que 510 bastos. C'est bon ça. Mais je pense que je les ai tous eu, tout le groupe, les deux pick-up. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Combien de greux? Les greux, il m'en reste encore 114, mais ça va pas loin. Tiens, contact devant, arrêtez-vous de brancher. Il doit avoir du contact sur la gauche, je pense. C'est eux là? Ouais, c'est eux qui sont passés devant nous. Ils doivent confirmer contact ennemi. Ouais, regarde leur traçante si tu les vois. Vous êtes pas sûr, tirez pas. Ils tirent sur quelque chose en 11 heures. Ah ouais, je les vois. Et du coup, en thermique, je vois pas les traçantes. Ah ouais. De Marie, de leader. Parlez Maride. J'ai traité en face de vous deux contacts armés qui se dirigeaient sur votre position. Et je vois des transformes qui partent un peu plus loin dans la forêt, vous tirez sur quelque chose, je vois pas. Ah ok.
Marie, tu vois la position actuelle de soutien ou pas? Merde. Marie, tu vois la position de soutien. T'as pris la com ou quoi? Sur ton flanc gauche, 150 mètres sur ton flanc gauche. Formatif, leader. Ok, assaut et soutien vont pousser à peu près dans cet axe en direction du nord-ouest. D'accord. Tu maintiens la position. Bien pris, leader, et j'allume tout ce qui arrive en face. Ah ouais, d'accord, ils ont éliminé les trois là-bas au bout. Ouais, bien vu, soutien, continue à pousser. Je vais arrêter mes com radio, sinon je m'enflamme toujours un peu. Tu crois que c'est possible de faire un de rotation? Quoi qu'attends. Bah, je vais juste checker un truc. Bah, il faudrait que tu me fasses un avant 15 mètres et rotation droite toute 90 degrés 5 mètres. En gros, ouais, on se met face à la clairière, mais t'as bien. La forêt, flanc droit, ça peut arriver par là, on couvre pas trop de ce côté. Pas dans le bon axe si tu veux. Okay, là, t'es en diagonale par rapport à la forêt. Tu veux que je me mette face nord? Et que t'avances un tout petit peu. T'avances un peu là, et après tu fais un virage 90 et tu te mets en azimut 0 quasi. Voilà, top. On est bien en face de la carrière et là je vois bien. Tu me disais juste t'avances de 15 mètres et tu fais face au nord et je le faisais. Voilà, c'est ça. C'est compliqué quand on se fait faire ça. Un petit peu plus sur 50 mètres. Ah ouais, c'est pas grave. Attends, c'est mort ça. Père. On a un prisonnier, on l'a bas ou on le garde? Prisonnier. Le prisonnier. Je sais pas, il est encore. T'as pété Marie. Ah, c'était pas moi. Négatif, c'était pas mal la communication, j'ai encore du contact à azimut 313 400 mètres. Pic technico, le même endroit que les deux autres. Wow, c'est passé près là. Cessez le feu, Marie. Marie, cessez le feu, ça passe au-dessus de nos têtes là. Bien pris. Vous allez pouvoir vous avancer légèrement sur notre flanc droit. Essayez d'avancer un peu. Maride, c'était pour Maride, pardon. Faut que t'avances, mais il y a du contact. Vas-y, fais ton mouvement, t'inquiète. Je sais pas où ils sont là. Ah oui, ils sont où? T'en passes. Attends. Et à droite. Là, tu les vois, tous nos gars sont juste là et j'ai tiré un peu près d'eux tout à l'heure, c'est pour ça qu'ils commencent à chauffer. Donc tu ailles sur la position qu'ils ont donnée. Viens sur le groupe soutien. Pousse sur le groupe, ouais, groupe soutien. Pas, on voit, enfin, assaut, on voit ton médecin sur soutien. Ok, ils sont là-bas. Ben. Leader de Marie confirmé qu'il n'y a aucune unité alliée dans les forêts. Vous avez parlé en même temps. Négatif, pas d'unité alliée dans les forêts, par contre on a du contact flanc gauche. Flanc gauche Marie. Je vais avancer encore un peu pour que tu aies un visu flanc gauche. Marie, priorité au flanc gauche. À 11h j'ai un Marie véhicule. De leader. 11h véhicule. Dans les arbres. Marie de leader. Parlez leader. Repositionnez-vous 100 mètres côté gauche, on a du contact flanc gauche proche. Ok, je bouge. Vas-y, parce que moi je suis occupé à tirer. Je vais être vers l'avant, en face de nous. Tu vois à travers la fumée? Ouais, mais il y a plein de morts. Hein. Sous-ouest, roule dessus. Ouais. T'as roulé dessus?
Ouais, je sais, okay. Mais... c'est pas nous les tirs de grenade là. Écartez les formations. T'es en face de nous là, il y a du contact. Arrête, on prend des tirs de grenade, essayez de trouver une cible véhicule lance-grenade. J'ai vu un véhicule tout à l'heure, regarde la lisière des arbres qui doivent être devant nous là. À 12h, regarde dans les arbres. 12h. Je vois rien quoi, il y a un véhicule mais il est traité quoi. Ok, bon, c'est tout alors. Il y a un autre véhicule quelque part apparemment. Arrête de leader. Par les leaders. Ouais, du coup on prenait des tirs de grenade qui venaient je sais pas d'où. Les deux groupes d'infanterie se replient sur la plage. Vous restez en position, si vous prenez des tirs vous reculez sur plage. Oh putain, je suis low à moi. J'ai pris leader de Maride, je suis low à moi au niveau de la touchette. Et low à moi au niveau de la GMG. Ok, alors fais des tirés pour tuer. Je vais essayer. Autant que faire se peut, leader. T'as du contact en direction du nord, Maride. Non, ouais, mais c'est ce que je vois depuis tout à l'heure, mais j'allume, hein. Confirmé, j'essaie de sauter. Et de deux. Et de trois. Ok, donc il me reste 47 morts à faire. Balles. 47 morts. 47 balles, 47 morts. Ah le bordel de cul, je tombe dans un arbre. Combien là, 100 mètres. Non, je vais arrêter la greu. 33 bastos. Oh là là, c'est chaud. Donc pour assaut, oui, on a une roquette antipersonnelle. Et n'hésitez pas à utiliser vos roquettes antipersonnelles si vous avez l'opportunité. Niquez le véhicule de transport de troupes. Avec tout le mec qu'il y avait autour. Qu'est-ce que j'ai niqué? 3 technical. Il reste du monde en retrait dans la forêt. Hein. Là je vois plutôt rien bouger. Après faut peut-être lui laisser venir quoi. Là ici là. Il y a 100 mètres ce con. Ouais je tape dans un arbre. Toi tu peux avancer genre 10 mètres. Combien? 10 mètres. Top. Top top. Non c'était trop. Recule 2 mètres. Top. Bouge plus. 300 mètres, ok. Il est mort. Voilà. Nickel. C'est le dernier. Ah quoi non, il y en a un son copain juste à côté, je l'ai pas vu. Il est mort aussi. J'ai fait un peu trop de mitraillettes au début, c'était un peu n'importe quoi. C'est pas grave. Pas trop efficient. Un peu trop délirant. C'est pas grave, t'as vu tout le boulot que t'as fait? En face aussi, il y a du contact, je dirais 400 mètres. Ça bouge, ça bouge, ça bouge. Oui, je les ai réveillés. Pareil, tu vas me faire un avant. Non, j'ai rien dit. Viens vers moi. Petit. Assaut, t'emboîte le pas sur soutien qui va en train de partir maintenant. S'il faut, laisse-les venir. Et voilà. Là, est-ce que ça bouge ça encore? 350, non. Parce qu'on est même pas encore sur l'objectif là. Ah ouais, on a bien. Ils sont où nos copains si je les vois plus? Aucune idée. Leader de Maride. Parlez Maride. À votre position, leader. On est juste derrière vous, 100 mètres derrière vous. Les groupes d'assaut vont pousser en direction de la colline Vilnius. Je vais venir vous voir dans le char. Bon, j'ai...
qu'est-ce que c'est ça? Est-ce que ce serait un mec qui sort du coma? Ok. 700 mètres. Chez Loamo, j'ai fait un peu le foufou sur la gâchette. Et il m'a resté 23 bastos sur la 12-7, 14 grenades 40. Ok, alors tu fais vraiment. Ouais. Tu tires plus quoi, quasiment. Tu indiques les cibles. Et puis tu tires que si on a besoin de toi, c'est-à-dire que si on est dans la merde quoi. Ouais. Sur ordre, là en gros, tu vois la colline qui est sur le 320. Je la vois tout à fait, vous y dirigez, c'est clair pour l'instant. Ouais, les groupes d'infanterie vont se diriger là-dessus. Ils vont essayer de la capturer. Si ça se passe mal pour eux, moi je vais aller avec eux. Ok. En gros, si ça se passe mal pour eux, ils vont débouler comme des tarés dans le champ là où on est. Ok, tu prends des tirs, soutien. Confirmer un tir qui a claqué. Ben, je vois rien quoi. Ok, assaut soutien, prenez des couverts, temporisez. C'est des cadavres. Essayez de voir en thermique. Et du coup, ouais, l'idée c'est que si ça chauffe trop pour eux sur Vilnius, ils vont débouler dans ta direction et tu vas pouvoir les couvrir. C'est parfait. Donc on bouge ou qu'on bouge pas non? Ouais, cool. Non, tu bouges pas là, toi. Écoute, t'allais dire Dis-leur bien qu'ils ont plus de couverture spontanée de notre part, quoi. Qu'ils savent qu'ils doivent. Ouais, je vais leur dire, ouais. Je vais aller avec eux de toute façon. Oh, derrière! Contact arrière! Attends, sûr, identifie non thermique. Ils vont identifier en non thermique. Bah, c'est ennemi, hein. Ok, bah vas-y. Ouais, faut pas que je les rate plutôt. On a du contact arrière, continuez soutien assaut. C'est bon, je les ai eu, il y en avait deux. Côté. Du coup, tu disais à coup, excuse. Ouais, non, je disais préviens-les qu'ils ont plus de. Ah oui, c'était ça, excuse-moi, ouais, j'ai oublié si tu m'avais déjà parlé. Il ne reste que 16 bastos. Ouais, ok, ben t'as compris le plan, de toute façon, tu restes là, t'es bien placé. Fais de l'observation. Il reste 14 grenades, 16, 17. Pas le même calibre la 2-7 en face, on peut pas lui piquer des munitions. Assaut. Là le Marid a plus beaucoup de munitions. Ou il va faire vraiment que des tirs pour vous sauver la pomme si vous êtes dans la merde. Je me régler à 400. Là, du coup, quand il sera en bas. Là, voilà. Anticiper vraiment les mouvements ennemis quoi. C'est dur qu'ils se posent, ils attendent pas de se faire tuer quoi. C'est une blague. Pour anticiper sa vitesse et tout, la vitesse de la balle. Bien, temporiser 2 secondes. Il y a un écho. Je vais faire face plus au nord-ouest. Je vais bouger là. Vas-y, vas-y, bouge, t'inquiète, je dis rien, c'est que tout va bien. On temporise. Voilà. Comme ça, on a la colline en face de nous. Oh, c'est nickel, je les vois bien. On va reprendre la progression en direction du 300. 300 mètres. T'as vu, c'est marrant parce que la colline là, tu vois, il y a une colline, mais les arbres ils sont tous au même niveau en fait. Ah, j'ai pas fait gaffe. La colline qui est en face de nous, Vilnius. Ouais. Bah, le terrain ça fait une colline, mais les arbres ils sont tous coupés à l'horizontale. Pas toi? Pas vraiment, hein. Ou alors c'est moi qui. Ouais. Ok, Marie de leader. Par leader. Il y a du contact au sud sur la plage. Oh putain, non, non. J'ai pas regardé du coup. C'est arrière gauche. Et je vois ça. Gauche. Arrière gauche, t'es sur la droite là. Ah oui, bien vu. Et j'essaie de traiter. 200 mètres. C'est pour toi, Marine. C'est pour toi. Ah mais putain, il m'a fallu tout ça pour éliminer un groupe. Des fois, de mari, deux groupes ennemis éliminés. Des fois ça veut pas. Bien reçu. J'en ai mis une, j'en ai mis trois, une autre un, une autre rien, et une autre plus rien. Attends, je m'étais bien 0E, 0T. Bon, j'en suis à 8, 14. Va falloir chier mes prochains tirs. Je les vois plus du tout, les potes. Ils sont. Ah, si, moi je les vois, mais ils sont loin, 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 loin. Le problème, c'est que voilà, ils sont 400 mètres. Ah, ils sont déjà sur la colline. Ouais. Ils sont sur Vilnius. C'est bien d'y aller. Bon, on
pour leurs arrières. On fait un check derrière. Ouais. C'est une bonne idée. On va se prendre un truc. Il y a rien là. Il y a rien là. C'était les molles. Ben, tu peux me faire un petit arrière 5 mètres. Ah, mais il y en avait un, oui. C'est en lisière ouest. Attends. Ah, voilà, et puis. Il y en avait un tout seul. Attendez. Je crois qu'il nous a dit un truc, non? Non, c'était pour le groupe d'infanterie, ils ont des contacts sur leur flanc gauche. Arrête de leader. J'écoute, leader. On a basculé complètement au nord de Vilnius parce qu'on a. On a chopé un visuel sur le. J'ai pris leader standby près de la plage. On a éliminé les derniers contacts qui résidaient autour de la plage. Ok, dans ce cas là tu peux t'avancer et prendre position au sommet de Vilnius, ouais. Côté clairière. Côté clairière gauche. Ouest. Ouais, ok. J'ai pris leader en mouvement. Allez, c'est parti. Ouais, hop, je regarde vite fait. C'est parti. Ça devrait le faire, ça devrait le faire. Hop 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 là. Ouais ouais. J'en ai galéré pour l'abattre, cette espèce de transport là. Je l'ai balancé 3 ou 4 grains. Y'a pas moyen de récupérer? Bah non, on peut pas récupérer les bras. Mais non, mais ça serait bien quoi, parce que c'est de la doucette hein. Ouais, c'est une M2 dessus. Oh, je pense. Avec Ace on pouvait. Ce serait pas mal de pouvoir récupérer justement ce genre de munitions inutilisées sur les pick-up. Sur Arma 2 on pouvait avec Ace, donc peut-être qu'avec Ace sur Arma 3 on pourra. Sauf que tu peux essayer de pousser aux rochers qui sont là. Je repasse en vision normale parce que je vois plus rien là. Vas-y, vas-y, prends à droite là. Okay, voilà, et tout droit. Hop, c'est bon, ça passe. Les cailloux normalement les passent. Mets-toi sur le sapin de gauche là, comme ça on sera vraiment en lisière. Ouais. Je repasse en thermique. Leader de Marie, on est en position lisière de forêt, on est sur votre flanc droit. Regarde, ah, reçu, tu vas voir une maison, on est en train de progresser en direction de la maison. La maison? Ah oui. Tu veux que... Aussi leader en beaucoup. Est-ce que tu veux que je décale un peu sur la droite? Ouais, fais un avant-droit 10 mètres. Tout caillou là. De soutien, on est à 50 mètres au sud de l'objectif, on frise. Tu te cales entre les deux caillals qu'il y a en face de nous là. Beau visuel. Oula, j'ai une 10-5. Ouais, c'est moi je crois. Là c'est bien. Ok, parfait. Ah ouais, t'es parfait. Je t'ai pas tenu. Nickel. J'ai du contact, ça tire là-bas. Et je vois rien, thermique. Ah, mais c'est le campement, d'accord. Oui, c'est le campement ennemi. Là on est en plein milieu dans la zone rouge hein, donc ça peut venir de partout autour de nous. Je regarde, t'inquiète. Je scanne la droite, l'arrière. Ah, ils ont des traçantes sur l'avant. Sur le balancement, une anti-infanterie au milieu de ce camp là. Ils ont tiré depuis là-haut. Ils sont là-bas, hein, ils sont sur l'avant gauche, ça, à 11h. J'ai vu les traçantes jaunes partir des buissons. Il va balancer la thermobarique ou quoi? Aucune idée. Ah, Bastos. Pas la smoke là. J'ai pas de smoke. Je peux voir une smoke. Et la droite c'est toujours clear. L'arrière, toujours clear. Je pense que c'est clear. Ça rassure. Marie de leader. Je vous écoute leader. Est-ce qu'il vous reste quelques 40 mm? Normatif, il me reste actuellement 8 grenades. Ok, balance dans 4 au centre du camp. Par contre, tu peux pas te louper parce qu'on a des mecs juste autour. Et confirmer leader des grenades au centre du camp au niveau du drapeau ou juste derrière? Un peu derrière le drapeau. Bien pris. Au tir.
feu de Marie. Soutien, j'écoute. J'ai pas de fichier. Est-ce que vous avez un possible axe d'approche en direction de la première maison depuis votre position? H4, hein? Ouais. Garde-les, je pense. On est pas loin, on est à moins de 50 mètres. T'as réussi ton tir? J'ai tapé dans la dans la grosse caisse bleue. D'aller sur la maison. Reçu. Leader de Marie, il me reste 4 grenades actuellement, j'en ai balancé 4 dans le camp et notamment 3 sur la caisse bleue derrière l'arbre. Bien reçu, restez en observation. Bien pris Marie, stand by. Allez, reste après 13 du 7. De support, on s'est engagé depuis nord-ouest. Oh putain. Bien reçu, support, restez à couvert. Vas-y, j'en ai eu un. J'en ai eu un. T'es pas obligé de leur dire hein. Marie, ouais. Bien des scans tout autour pour pas qu'on se fasse contourner par nos flancs. On va faire que moi j'en vois un mais putain il pointe juste le bout de sa tête. Je suis tiré. Putain chaque munition compte, chaque munition compte. Ouais mais 11, tu devrais avancer franchement, avance, c'est un avant. Fonce, fonce, fonce. On va les couvrir plus près en close. Fonce tout droit, tout droit. Soutien, on maintient la position, on réplique. On devrait pas hein. On devrait pas mais c'est juste pour avoir un visuel. Top, 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 on reste là, on est bien. Putain. C'est pareil ou alors ils l'ont eu. Je recheck derrière, il m'en reste 11 bastos, 11 bastos. J'en prends la position. Ouais, reprends la position. Ouais. Attends, top. Du contact là-bas au fond. 800 mètres, j'ai 1240, je vais leur dire. Ouais, leader de Marine. Parlez. Contact, 800 mètres, à 1240. Donne-leur le nombre de contacts. Ok, deux contacts, je vais tenter de les traiter. Non, tu les auras pas à 800 mètres. Laisse-les, ils sont trop loin, on s'en fout. Tiens, sur votre flanc droit, nord-nord. Garde tes précieuses balles, garde tes précieuses balles. Garde mes balles, ok, ouais, c'est trop loin, 800. Je sais pas pourquoi je m'enflamme. J'ai vu du contact thermique et. Quand tu leur donnes du contact, tu leur dis la distance, l'azimut, mais tu leur donnes aussi le nombre de contacts. Comme ça, au moins, ils savent si. Ouais. Tu vois, si c'est toute une escouade ou juste un mec, tu vois. Ah, je vais corriger mon zeroing du coup, je vais me concentrer sur le flanc droit qui s'est engagé là, soutien. Bah, vu le peu de cartouches qu'on a, vaut mieux qu'on les protège. On les laisse. Porte-portée. Je me concentre sur le 300-400 mètres. Ouais. Dire. Tout ce qui peut être un danger pour eux en priorité quoi. Ah ouais, c'est ça. Bah, c'est ce que j'ai traité tout à l'heure quand j'ai parlé à la radio du coup. J'ai le doigt facile sur la radio. Je crois que je me traite là-dessus. Ça va venir, ça t'inquiète pas. Je suis là pour t'engueuler s'il faut. C'est des mauvais réflexes. Oula, c'était quoi là? Non, c'est... Mais ils ont un copain par terre? Je sais pas. Je vois pas un mot ici. 183 mètres, j'ai 1248. Il y a un copain à eux. Ah non. T'es en train de regarder un caillou. Est-ce que tu veux que je remonte sur Vilnius, comme ça on peut aussi jeter un petit coup d'œil sur l'est? Alors attends, Parce que Vilnius... De soutien, ouais. On devrait pouvoir faire le mouvement sur objectif. Un soutien, c'est la qui va le faire. Derrière nous, quoi, derrière nous. Ouais. J'ai aucun visuel. Franchement, recule si tu veux pour te repositionner sur Vilnius, mais... Guide-moi derrière. Attends. Guide-moi derrière. Ok, vas-y. Un peu plus sur l'arrière-gauche. L'endroit, alors. Asso va prendre un côté. Sur la maison, recule. 5 mètres encore, c'est bon. C'est parfait. Ah, j'ai bon visuel. Voilà, nickel. Tout ce qui peut y arriver derrière. Reçu. On se balle, il nous reste et 4 grenades. Comme ça, on aura le moins de surprises possible. Et les mecs là-bas, ils sont nombreux. Hein. Je les ai nommés tout à l'heure en fait. Il y a tout un groupe, hein, 900 mètres. Bah refais-leur une com alors disant l'azimut, la distance et le nombre environ. Ok, soutien, vous pouvez y aller, vous prenez côté droit et vous checkez le reste. 100 mètres, 1, 2, 3, 4, 5. Asso, vous restez sur votre position, vous courez. Leader de Marid. Parlez Marid. Marid, correction, groupe minimum 5 personnels armés, 900 mètres, azimut 240. Ok, gardez-les en vision, on va essayer de se casser avant qu'ils arrivent.
Voilà, ça bien pris, je garde la visuelle sur eux. C'était une belle com ça. Bah, ils sont ouais, facile 5. Là j'en vois 5 sur. Je garde en vie. Ah non, regardez autour. Non, tout le reste autour de nous c'est cool. C'est toi qui as le sapeur. Ça sent la réussite tout ça. Affirmatif, c'est Froggy. On va mettre là-bas, ils sont en train de bail. Par soutien, le reste 140, sans, vous avez porté à charge, l'ouest là de notre position, sud-ouest. Ouais, ils sont là-bas. Donc tu vois la colline 92, en 108-036, la carte, ici. Ouais. Ah bah ils sont là. Pour moi ils sont là. 240, 900 mètres. Ah non c'est plus loin. Parce que nous on est là hein, nous. Ouais je suis d'accord, on est là. Donc 900 mètres en 240 ça serait pas là. Ah non, bah non là il y a 200 mètres hein, là. Entre là. Attends. Et là il y a 200 mètres. Hein. Ah ouais, 900 mètres ce serait plutôt ici. Ah ils sont beaucoup plus loin, ils sont sur Suez limite. 1, 2, 3, 4, 5. Ils sont plutôt 7. Sur Suez quelque part par là. Ah ouais, tout à fait par là. Planté avec les carreaux, un carreau c'est 100 mètres. Putain, c'est pratique ce truc pour pointer sur la carte. Ouais. Faudrait le même en briefing. Sérieux. Ben ouais, il manque que ça du coup. Alors, je refais un check autour de nous. Peut-être demander, oh, cool. Peut-être demander quand ce sera calme au leader quel vecteur de... Oh, il y a eu un écho thermique plus proche, 300 mètres, 202, mais non confirmé. Ça peut être un lapin comme ça peut être une tête. On va garder un oeil alors. 200, imagine 200, derrière la petite butte qui est en... Imagine 202, 240 mètres. Là pour le coup c'est là où tu pointais là. Ouais. Ça peut pas que ce soit. Ils sont toujours là-haut les mecs. Ils sont toujours là-haut, ils n'ont pas bougé. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 200. C'est pour ça que je dis non confirmé. Hein. J'ai vu un bout de truc, mais. C'est possible que ce soit juste la faune ou de. Local. Tu dis bien tes hommes de s'allonger derrière les rochers, on va faire péter depuis ici. Ah, ils font tout péter. Tu pourrais demander au leader par où est-ce qu'on va partir. Génial, ouais. C'est bon soutien. Okay. C'est bon pour nous. Détonation. Ah peut-être, c'est bon. Leader de Maride. Parlez Maride. Maride, j'ai mon pilote qui demande est-ce qu'on a un itinéraire de retour. Ce sera le même itinéraire que précédemment pris. Mike est là-haut. Bien pris, il faudra absolument éviter les coins Suez ainsi que les coins au nord-est de cette position. Ouais, pour l'instant on n'est pas sur ça encore. Soutien, retournez sur site. Soutien, t'es sûr? Confirmé. Et même chemin, si t'as pris la com. Ouais. Voilà. C'était pour savoir quoi. Ouais bah tu sais bah ouais, c'est bien de savoir par où on rentre quoi. Pas perdre de temps, trois plombes à se dire par où on va. Si vous voulez qu'on reparte ailleurs, que je prévois le chemin et tout ça. On va faire plage Mike. On remonte. Ah. Je vais faire direct. Après ouais c'est sûr, faudra même privilégier les clairières au maximum pour toi pour le retour. Ouais bah là on va remonter les clairières de toute façon, donc on aura une clairière. Je vais te le... Je vais la mettre la clairière qu'on va emprunter. Ouais voilà c'est ça que je voyais, ouais nickel. Hop, t'auras plus qu'à dans les trous là, à peu près hop et on remonte à l'insertion et on a gagné. En 200 je vois plus rien.
quand même tout le temps autour de nous. Là, il y a un objectif optionnel, tuer tous les rebelles, mais j'ai plus assez de munitions. Donc il n'y a que le groupe là-haut. On sait pas ce qu'on va rencontrer sur le retour aussi. Ouais. J'aurais un lance-missile encore, un tube. On balancerait un filo guidé là, direct. Oh, qu'est-ce qu'il fait lui? Ah non, il fume. Non mais t'es sérieux, il est en train de fumer. De quoi? L'ennemi. Il fume? Bah le mouvement de son bras était un peu... Ouais, un peu... Il fume une clope? C'est, ouais, il a amené son bras sur sa bouche. Ah. Très bien ça. Soutien maintenu à position, assaut dès qu'on décroche. Oh. Oui. Le mari est derrière nous au sommet de la colline, on va le rejoindre et on va embarquer. C'est joli, quelle belle acrobatie. Oh putain, on va descendre dans la plaine en direction de Mike. Retournez dans la plaine près de la mer, Marid. Ok. Bon, mais... Vas-y, confirme. Soutien, suivez assaut à 50 mètres derrière. Ouais. Confirmé, leader. Marid en mouvement. Reçu. Tu veux pas faire un petit scan sur la... Ouais. Sur la plage. Dans les contacts, sans fond. Faites une observation de la plaine avant qu'on y arrive. Je vais me poser... Vas-y, ralenti doucement. Là, je vais me poser. Attends, je dépasse le sapin pour que tu vois tout. Voilà. Un tout petit peu avance encore. J'ai les branches. Top. Nickel. Ok, c'est clair ici. C'est clair ici. La peine là-bas. Tapin ici. Clair à gauche. Clair à gauche, clair à droite. Bon. Bien formé. Leader de Marid, de la voie est claire, gauche, droite. La face. Bien reçu, on s'est tiré dessus sur l'arrière, donc on va venir, ah. On va embarquer et on se casse. Ça c'était un... Tiens, foncez sur le Marid. Bouge pas, rien, les gars arrivent. Ils sont tirés de l'arrière. Attends, mais ils sont où les mecs? Ah d'accord. L'arrière, c'est une raie de l'Est. Yaka? C'est là, Goya? Ouais. À Goya, il est à bord. Ah non, Asso? Il est à bord, là? Doudou, il est là? Ouais, non, je parle... Ah, il manquait deux personnes, en fait. Attends, ouais. Change de place. Bravo, hein, c'est là, ouais, t'as pas eu aussi, quoi. Ah non, mais en fait j'ai vu des gens devant moi. Go, en direction de la plage, c'est mon équipe quoi. Bah, il n'y avait pas que ton équipe. Bah non, voilà. C'est de la faute des autres. Ensuite, on suit la plage en direction de la gauche et on remonte en suivant la plage. On peut aller à fond, hein. On se casse là. Ah, j'ai du contact là-bas. Ah oui, c'est ça. Ça là-bas. 100 mètres, à notre flanc droit à l'arrière maintenant. Et il y a des athées ou pas? Marie, pour l'instant, j'en vois pas, non. Sans enlever la vitesse où on va, il nous rattrapera jamais. Ouais, voilà, on n'engage pas alors. Pour l'instant, je balle. 4 grenades. Ça, c'est parfait. Tu surveilles le flanc gauche? Je surveille le flanc gauche. Tu as prévu, tiens, pour le retour, il y a toute une plage. Toute une plaine, une série de plaines pour arriver jusqu'à l'extraction. Ah ouais, d'accord. On va me guider là-dessus. Ah désolé pour les tirs tout à l'heure qui étaient passés un peu au-dessus de votre tête, mais il y avait des contacts très proches de vous donc. J'espère que vous avez pas pris de... Non, c'est bon. Petite frayeur. Bah, c'est un ambiance. Peu au-dessus de vos têtes, ouais. C'était un peu proche, je sais. 95 km/h, pas mal. Moi aussi j'ai fait une... Pas mal, t'as réveillé le turbo ou pas? Ouais. Attends, ralentis un peu parce que... Ah. Pas de suicide. Un caillou, un pneu en moins. Ça va falloir me guider à partir de là. Un hélicoptère mort. Ouais. Tu prends nord, plein nord. Un caillou, un pneu, deux cailloux, deux pneus. Et en fait, c'est parfait, je vois que...
Il n'y a pas le message, donc à mon avis, le Marid, il n'a pas de GPS intégré. Ah, pas de GPS. Ouais, c'est con. C'est pour ça que le marqueur peut pas être lié. Le futur. Ah, mais ça, c'est une histoire de config, là. Enfin, comment on appelle. Ouais, ouais. De CF config, il n'y a pas. Ah, ouais. FG Vehicles. Oh, qu'est-ce que c'est moi, c'est moi. Ah, j'ai 5, ok. Panne d'essence. Ce serait con. Ça faisait quoi, moi, c'est pour ça. Ouais, on peut mettre un peu la tête dehors. Ah, ouais, c'est ça. Ah, c'est bien, ça. C'est grand chose, hein. Ça, je vois plus rien, moi, c'est ça. Ah merde. Ah dommage, on aurait pu faire le perfect. Ouais, on a la droite, est tombé dans les pommes. Droite, avant droite. Tout seul. Tout seul, comme un grand. Sans rien du tout. Ouais. Ouais, mais il s'est pas soigné. Je suis pourtant, mais je lui ai mis un bandage. Ah putain, d'accord. Le bandage a dû sauter. Mais des fois, il faut mettre deux bandages sur la même blessure. Et pour moi, tout est clair. Du lapin, j'ai plus au contact car au moins ça, ouais. Ça tue. Avec des pas quelle position à peu près là, Starfall? On est 300 400 mètres au sud, plein nord maintenant. Ouais, c'est bien, hein. On va trouver, essayer de trouver la caisse un peu plus à droite. Voilà, ça aurait été mieux avec un hélicoptère. Ah, à gauche la caisse, à gauche la caisse. Mourir. On recharge, on va tuer les restants. Oh, brasse de vitesse. Là, on a pas quelque chose, il est plus en cap. C'est ça. Bon bah. On a pas pris un impact, elle est tout là, ouais, bravo. Dommage pour tout faire et frogger, quoi.